C'est un peu matinal, mais voilà, je pense que c'est nécessaire. Nous sommes sur la Guinée, la politique chez nous qui ne fonctionne pas, chers compatriotes guinéens. Alors, pas de place pour effectivement des lamentations ou bon, écoutez, passer le temps dans son lit, n'est-ce pas? Quand il est question de défendre la Guinée, de défendre notre processus de démocratisation. Très bien. Alors, mon thème d'information pour ce samedi matin, bien sûr, je peux dire que c'est une forme de réaction. Alors, réaction à une certaine critique. Nous sommes en démocratie, n'est-ce pas? Les critiques, il le faut, n'est-ce pas? On donne des critiques, on reçoit des critiques, mais c'est cela. Celui qui veut critiquer et ne veut pas qu'il soit critiqué, bon, je crois que c'est mieux qu'il démissionne, n'est-ce pas, dans ce combat pour le processus de démocratisation. Donc, Nabila Camara critique, Nabila Camara doit être aussi critiqué, n'est-ce pas? Ça, c'est la règle. Voilà, chers compatriotes guinéens. C'est ça, en fait, ce qu'on dit, c'est un signe que notre démocratie ou notre processus de démocratisation, en fait, est en bonne santé, n'est-ce pas? C'est-à-dire, nous critiquons, nous recevons des critiques. Ça, c'est très bien, chers compatriotes guinéens. Alors, cela dit, bon, voilà, je me lève ce matin, je vois, en fait, une vidéo, en fait, me critiquant, n'est-ce pas, après mon analyse d'hier sur un comportement, un discours de Baoury, qui est un leader politique de l'UDR, n'est-ce pas? Alors, je dis bien, ce matin, je vois cette vidéo, alors, très critique même. Alors, c'est en fait, je dis bien, c'est de la part, bon, je ne connais pas le nom de la personne derrière le discours, mais la page, c'est liberté d'expression, n'est-ce pas? La liberté d'expression, en fait, la vidéo est là, très bien. Et voilà, en écoutant ce discours, on voit que la personne, franchement, n'est pas contente. Cette personne n'est pas contente du fait que, hier, ou du fait que d'ailleurs, je critique Baoury, cher compatriote guinéen. Très bien. Alors, d'abord, avant donc d'aller à ce sujet proprement dit, n'est-ce pas, à la critique proprement dite, je pense qu'il est mieux que, je crois que tout le monde le sait déjà, Nabila Camara. Alors, mes critiques, mes analyses politiques, je suis obligé ici encore de rappeler, peut-être encore à beaucoup de gens, l'objectif de mes analyses politiques, chers compatriotes guinéens. Alors, quand je fais des analyses sur la Guinée, d'abord, je suis guinéen, citoyen guinéen, et patriote, j'aime mon pays, vous comprenez, et aussi mes études également, disons, en philosophie, notamment en philosophie politique, me poussent aussi à voir très clairement, en fait, comment les choses se passent dans le pays, me poussent également à se dire, bon, écoutez, la Guinée doit donc se doter de bonnes politiques, non seulement se doter de bonnes politiques, mais aussi avoir de bons politiciens, des gens qui, en fait, doivent travailler réellement selon les règlements, selon les lois pour le pays. Vous comprenez? C'est cela, chers compatriotes guinéens. Très bien. Alors, mes analyses, c'est cela, se battre pour la réussite de notre processus de démocratisation. C'est très important. Vous l'avez remarqué depuis longtemps, ce processus a démarré. Alors, à un moment donné, juste après la révolution de Sékou Touré, ce régime socialiste, qui, je peux dire, c'était un régime d'exception, c'est vrai, mais quand l'ensemble a compté arriver, alors, à partir de là, on peut dire, là a commencé notre processus de démocratisation, n'est-ce pas? C'est un processus de démocratisation. Donc, il y a, on passe par des étapes, on fait beaucoup de pas et on arrive à un point, on dit, bon, écoutez, voilà, on a une structure politique solide et consolidée. N'est-ce pas? Très bien. Alors, dans ce processus de démocratisation, il faut le réussir. Et là, mon combat, c'est là. N'est-ce pas? C'est un processus qu'il faut réussir. Et quand on dit processus de démocratisation, on ne se bat pas pour que nous ayons tout de suite le résultat. N'est-ce pas? Tout de suite, on se bat, on doit avoir tout de suite le résultat. Aujourd'hui même ou demain. Non. Un processus, ça peut être, le résultat peut, on peut l'avoir aujourd'hui ou demain. Mais d'une façon générale, le processus, écoutez, ça prend du temps. Ça peut prendre du temps. Mais c'est qu'il faut commencer aujourd'hui. Hein? Des pas après pas, on arrive, voilà, avec beaucoup de pas finalement, voilà, on arrive à être satisfait. C'est cela. Et généralement, on se bat pour les générations qui viennent. Vous comprenez? Parce que si nous ne nous battons pas aujourd'hui, en fait, pour un processus de démocratisation, nos enfants qui viendront demain, écoutez, seront aussi obligés toujours à se battre à ce stade, n'est-ce pas, de processus de démocratisation. Notre souhait est que les enfants qui viendront demain trouvent que le processus est déjà là, n'est-ce pas, il y a une structure politique solide et consolidée, alors voilà.
Ils ne feront que, en fait, trouver des programmes de développement politique, etc., effectivement développer la Guinée. C'est notre souhait, cher compatriote guinéen. Très bien. Alors, donc, je me bats pour le processus de démocratisation. Mes analyses politiques, c'est dans ce sens, cher compatriote guinéen. Ainsi, cher compatriote guinéen, et en me battant pour ce processus de démocratisation, c'est tout à fait logique. Je ne serai pas d'accord avec toutes ces personnes ou tous ces politiciens et qui tenteraient d'entraver, en fait, ce processus de démocratisation. Oui, je me bats pour la réussite de notre processus de démocratisation, mais ça signifie aussi que toute personne qui tenterait de mettre les bâtons dans les roues, en fait, empêchant ce processus donc de réussir, écoutez, là, je vais m'opposer, n'est-ce pas? Et voilà, c'est ça, si vous l'avez compris. À tout moment, par exemple, je prends d'abord Alpha Condé, qui est un élément qui tente de bloquer notre processus de démocratisation. Je le critique à tout moment. Kassou Fofana, tous ces gens qui sont au pouvoir, et Thibaut Camara, Baoury, et tout, hein, tout, à tout. Et même Sédaline Diallo, à un moment donné, n'est-ce pas? Donc, je ne laisse personne. Du moment que notre processus de démocratisation va bien, et dès que je trouve des discours ou des comportements qui tentent en fait d'entraver ce projet de démocratie, je réagis, je fais des critiques. Voilà, je crois que là, tout le monde le sait déjà, cher compatriote. Très bien. Alors, pas seulement le combat pour ce processus de démocratisation, ce processus de démocratisation aussi va avec un autre élément, parce que nous avons actuellement au pouvoir Alpha Condé avec une doctrine, en fait, qui n'est pas une doctrine qui n'est pas la nôtre, n'est-ce pas? C'est-à-dire une doctrine ethnocentriste. Vous comprenez? La doctrine qu'il faut réellement, selon la constitution que nous avons, c'est la démocratie. C'est la république démocratique. Vous comprenez? C'est ça la seule doctrine pour laquelle nous nous battons. C'est avec cette doctrine-là que nous allons développer la Guinée. N'est-ce pas? Autre doctrine, non, telle que celle que nous avons actuellement avec Alpha Condé, l'ethnocentrique. Donc, non seulement je me bats pour la réussite de notre processus de démocratisation, mais aussi également lutter contre l'ethnocentrisme. Vous comprenez? Je dois lutter contre l'ethnocentrisme parce que l'ethnocentrisme entrave aussi ce processus de démocratisation. Cher compagnon. Alors, dans mon combat contre cette doctrine ethnocentriste, écoutez, là aussi, ça signifie que je serai opposé à toute personne qui, en fait, donnerait des discours ethnocentristes. Et là, pas seulement, comme on le dit actuellement, Alpha Condé étant malinké, favorise les malinkés, mais ça, c'est vrai, c'est une réalité. Pour être aujourd'hui dans le gouvernement, si vous êtes malinké, les choses sont facilitées. Pour être dans l'armée, la police, ou être gendarme, alors si vous êtes malinké ou vous appartenez au parti au pouvoir, RPG, les choses sont facilitées pour vous. N'est-ce pas? Mais si vous n'êtes pas malinké ou vous n'appartenez pas au RPG, mais ça c'est clair, Kassou lui-même l'avait dit, non? Alors vous avez mille problèmes. C'est vrai, non? Alors voilà pourquoi je lutte aussi contre l'ethnocentrisme. Et là, pas seulement contre, dans le camp, disons, des malinkés, n'est-ce pas? On dira, bon, les ethno-malinkés ou Alpha Condé favorisent les malinkés, mais écoutez, je vais défendre. Je vais me battre contre l'ethnocentrisme, en fait, dans tous les camps. Vous comprenez? Un malinké qui veut détester une autre ethnie, je me battrai contre lui. Un peul qui va jouer avec l'ethnocentrisme pour détester l'autre ethnie, je vais le combattre. Un soussou, la même chose. Un guerrier, un toma, un kissi, la même chose, cher compatriote guinéen. Vous comprenez? Donc, c'est cela. Donc, je me bats tout simplement pour la réussite de notre processus de démocratisation. Un processus qui sera propre, n'est-ce pas? Les lois au-dessus de tout le monde, cher compatriote guinéen. N'est-ce pas? Très bien. Alors, je sais que je pense qu'il me fait comprendre. Alors maintenant, je vais essayer de m'intéresser à cette vidéo qui passe de la page Liberté d'expression. Alors là, la personne m'attaque personnellement parce que hier, j'ai fait passer une vidéo avec une analyse politique où je critique sévèrement Baoury. Et pourquoi je critique Baoury? Parce que, comme je viens de le définir, hein, l'objectif de mes analyses politiques, n'est-ce pas? Alors, tout discours qui tente d'entraver notre processus de démocratisation, je réagis, je critique. C'est cela, sans exception. Pas seulement Baoury, pas seulement Alpha Condé, Thibaut Camara, Aboubacar Souma, Kassori Fofana, n'est-ce pas? Ou Sédane Diallo, vous voyez? Tout le monde. Vous comprenez? Très bien. Alors, cette vidéo, alors, m'attaque, ou cette personne m'attaque, je dis bien, c'est normal qu'il soit attaqué, qu'il soit critiqué, nous sommes dans un processus démocratique. Moi, je critique. Dans ce cas, je dois accepter aussi comme critique. Là, je ne suis pas contre. C'est normal, franchement. D'ailleurs, je m'en réjouis de cela, clairement. Très bien.
Alors, sur ma critique concernant Baouri, Baouri, je disais que Baouri, écoutez, l'opposition, l'UFDG, l'ANAD et l'UFDG, ses alliés, annoncent des manifestations, une manifestation politique contre, en fait, le non-respect de la légalité, pour la libération des détenus politiques, pour le respect de la doctrine démocratique, n'est-ce pas? Alors, tout de suite, on a Baouri, comme d'ailleurs il le fait souvent, qui intervient en disant que les manifestations sont contre-productives. N'est-ce pas? Je dois réagir, parce que c'est faux. C'est faux de dire que les manifestations sont contre-productives. Les manifestations sont effectives, Baouri. J'ai dit ça, les manifestations sont effectives. La preuve, Alpha Condé fait tout pour que les gens ne manifestent pas. Hein? Il fait tout pour que les gens ne manifestent pas, parce qu'il sait qu'avec les manifestations, et si toute la Guinée accepte aujourd'hui une sortie, par exemple, nous avons eu le cas au Burkina Faso, les manifestations ont fait fuir Blaise Compaoré. N'est-ce pas? Donc les manifestations, un droit, en fait, clairement défini dans notre constitution. N'est-ce pas? Alpha Condé a peur cela. Voilà pourquoi il fait tout pour qu'il n'y ait pas manifestation. Il dilapide beaucoup d'argent pour corrompre les gens pour qu'on ne manifeste pas. Il met les prisonniers, les politiciens en prison pour ne pas que les gens, les considérant comme étant les têtes pensantes, alors que si ces gens ne poussent pas à d'autres personnes à manifester. Alpha Condé tue. Intimider pour ne pas que les gens manifestent. Vous l'avez entendu. Si vous descendez dans la rue, en fait, bon voilà, vous allez à la boucherie. Vous voyez, c'est une manière d'intimider pour que personne descende dans la rue. Parce que Alpha Condé sait que les manifestations, écoutez, ce n'est pas pour rien, c'est mentionné dans la Constitution guinéenne, c'est accepté dans toutes les constitutions, dans les régimes démocratiques. C'est une meilleure façon de réagir, répondre au pouvoir qui tenterait effectivement de dérailler, en fait, d'aller dans un sens non voulu par la démocratie. Ça, c'est logique. Alpha Condé appelle les manifestations parce qu'il sait que les manifestations sont effectives. Alors, Baoui dit que les manifestations ne sont pas, en fait, ne sont pas effectives ou sont contre-productives. Alors, moi, j'interviens pour lui dire que non, il ment. Vous comprenez? Je le répète, il ment, Baoui. N'est-ce pas? Et là, dans mes critiques contre Baoui, j'ai dit, mais écoutez, c'est Baoui, chaque fois qu'on parle des manifestations, alors il intervient toujours avec ce discours-là, les manifestations sont contre-productives, mieux d'aller autour de la table, trouver une issue favorable à la crise. N'est-ce pas? Alors, chaque fois, c'est comme cela. Alors, moi, j'ai dit à Baoui, j'ai dit, Baoui a signé un deal avec Alpha Condé, nous savons tous, Baoui avait des ennuis judiciaires à un moment donné. N'est-ce pas? Complot contre Alpha Condé, n'est-ce pas? Il a fui le pays, il est parti en France. Je répète cela, c'est à l'intention de cette critique, cher Comodovinien. Je répète parce que la personne me dit que chaque fois, si jamais je me permets en fait de répéter les mêmes choses, vous comprenez qu'il serait capable de me déculotter ou de changer de mon visage. N'est-ce pas? C'est pourquoi je le répète encore. Je ne perds de personne. Personne, cher compatriote guinéen. N'est-ce pas? Parce que ce que je dis, c'est là. En fait, je suis la raison. Je veux le triomphe. Je ne dis pas que j'ai la raison. N'est-ce pas? Étant dans la démocratie, nous critiquons, nous nous battons pour que la raison triomphe. C'est cela. Donc, je n'ai peur de personne. N'est-ce pas? Très bien. Alors, Baouri était en exil, n'est-ce pas? Nous savons tous comment il est rentré, en fait, en Guinée. Étant, il était, en fait, le vice-président de l'UFDG, le premier parti de l'opposition en Guinée. N'est-ce pas? Alors, quand avant qu'il ne soit dans ses ennuis judiciaires, il était dans l'UFDG, tout allait bien. Il lutte contre Alpha Condé, il demande des manifestations, etc., etc. Maintenant voilà, après l'exil, Alpha Condé le rencontre. En fait, après la rencontre avec Alpha Condé, le monsieur change, il revient en Guinée, il se dirige contre son ancien parti, en fait, son parti, l'UFDG, hein, le parti dans lequel il était, en fait, le vice-président. N'est-ce pas? C'était pas beau ça. Donc nous, on s'est dit, c'est logique, c'est très clair, facile à voir, c'est qu'il y a un deal qui a été signé avec Alpha Condé. Et si, même maintenant, Baoui a son parti politique, mais chaque fois qu'on parle de manifestation, alors il s'oppose, mais c'est parce que c'est le souhait de Alpha Condé. Alpha Condé ne veut pas qu'on manifeste. Alors nous, nous disons, nous raisonnons, je raisonne en disant, bah, écoutez, Baoui continue à respecter le deal signé avec Alpha Condé. Les manifestations, non, passons par autre chose, mais pas les manifestations. Pourtant, les manifestations sont très importantes contre un dictateur comme Alpha Condé. Franchement, vous voyez ça? Très bien, cher Comadre. Alors, les critiques donc sur cette page, liberté d'expression. Alors, on dit Nabilaï, je vois Nabilaï travaille pour Alpha Condé. Écoutez, vous ne connaissez pas Nabilaï, c'est un monsieur qui fait du malin et il travaille pour Alpha Condé, il cherche à diviser l'opposition. N'est-ce pas? Je dis seulement ce qu'il a dit. Et il dit, on va changer son visage, on va le déculotter. N'est-ce pas, cher compatriote guinéen? Et la prochaine fois que je
je critiquerais Baouri, alors il changerait mon visage, il me déculotterait, n'est-ce pas? Alors, écoutez, c'est quand même, c'est ridicule, je dis comme ça, mais ce que moi je vais dire que je travaille pour Alpha Condé, je suis là pour diviser l'opposition, là, vous-même, vous pouvez en juger. N'est-ce pas? Voilà. L'objectif de mon intervention ce matin, comme réaction à cette vidéo, c'est juste rappeler les objectifs de mes analyses politiques. Un, deux, répondre à ce monsieur quand il me menace que si jamais je revenais sur Baouri avec des critiques, je dirais négatives, alors qu'il serait capable de me déculoter. Alors, c'est pourquoi je répète encore ces mêmes critiques et attendre ce que monsieur pourrait, en fait, engager contre moi dans le sens de me déculoter, de changer mon visage. OK? Je compte bien.